aussi a souvent défié publiquement son adversaire et ne croyait jamais avoir l'occasion de l'affronter aussi rapidement. Il aura fallu une victoire contre l'ancien champion du TKO Ishaul Arenas et les blessures aux Américains Evans et Pendergast pour que Gaultier obtienne enfin le combat tant attendu. Gaultier n'a pas aimé l'entrée en scène de Steve Gaultier en combat ultime et il a toujours clamé haut et fort qu'il voulait affronter de grâce et lui souhaitait bien plus à sa façon dans les combats ultimes. Gaultier a accepté ce combat à la toute dernière minute et il promet d'en faire voir toutes les couleurs à son adversaire. Ne clignez pas des yeux alors que tous ces cogneurs montent dans l'octogone. Steve Gaultier est de pour fil des mois l'un des athlètes les plus populaires en combat ultime. Ayant fait ses débuts professionnels en juin 2007, Gaultier n'a jamais cessé de s'améliorer et son entraîneur Franco Holanda n'hésite pas à dire de lui qu'il est l'un des athlètes les plus prometteurs qu'il a eu la chance de diriger. Excellent avec ses points, Gaultier a travaillé d'arrache-pied afin d'améliorer les autres facettes du sport, plus spécifiquement au niveau de la lutte, du jiu-jitsu et de la boxe thaïlandaise. Après avoir changé d'adversaire à deux reprises avec les blessures à Lance Evans et Sherman Pendergast, The Boss se retrouve ce soir devant un adversaire à qui il a toujours voulu fermer la trappe. Préparez-vous pour un combat où la haine et l'agressivité sont au rendez-vous alors que Bossé est à la recherche de violents chaos. Shows.